Religion de la bonne et belle œuvre, du juste milieu, de la modération. L'islam est la religion de la science, de la connaissance de Dieu par sa création. L'un des éléments et non des moindres qui distingue le Coran des révélations antérieures est son insistance sur les notions de science et de connaissance. D'ailleurs, le premier mot de la révélation à Mohammed fut « Iqra », « Lis ». Il suffit de lire les versets 1 à 5 du chapitre 96. « Lis par le nom de ton maître, celui qui a créé l'humain d'une adhérence. Lis et ton maître est le plus abondant. Celui qui a fait savoir par le calam, a fait savoir à l'humain ce qu'il ne savait point. » Et justement, le premier humain désigné en tant que tel, c'est Adam. Et la première fois qu'il est cité dans le Coran, il est dit à son sujet, dans le verset 31 du chapitre 2. « Et il a fait savoir à Adam les noms tous. » Il est ainsi clair que l'être humain dans le Coran est lié dès sa création, dès le début à la connaissance. Donc la première chose de Dieu que reçut Adam, le premier humain, c'est le savoir de tous les noms. Et le premier commandement de Dieu à Mohammed, sceau des prophètes, scellant la religion, c'est « Li, Ikra ». Le message, le commandement de Dieu à l'humanité, depuis le début du monde donc, jusqu'à Mohammed et jusqu'à la fin des temps, c'est « Li, apprends ». Connais la création de Dieu pour connaître Dieu et agir en conséquence. C'est-à-dire bien et avec bonté, car tu seras jugé sans nul doute. Et le jour de la résurrection, nous lisons dans le verset 27 du chapitre 16, « Ceux à qui a été rapporté le savoir ont dit, certes l'avilissement ce jour et la souillure sont sur les dénigrants. » Et au verset 56 du chapitre 30, « Et ceux à qui ont été rapportés le savoir et l'assurance ont dit, assurément déjà vous êtes demeurés en l'écrit de Dieu vers le jour de la résurrection. Alors ceci est le jour de la résurrection, mais vous ne saviez. » Tout cela pour dire à quel point le savoir constitue le premier commandement de Dieu, dans le Coran et donc dans l'islam.